Please welcome the chair of this session, Dr. Palmer Letondo. Thank you, Palmer, for joining us. Thank you for your time. The floor is all yours. Thank you, Jean-Pierre. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Today we are in this workshop together, and I'm welcoming all participants and thankful to the ALET network, to the Pandora network, to the Global Health Pandora network. Également, for, merci au Centre mondial de la santé pour avoir tout géré derrière la scène. Et aujourd'hui, notre atelier sera... Alors, nous allons commencer directement avec notre atelier. Merci encore de vous être joints à nous. Nous sommes à près de 500 participants. Et notre première session sera question d'une présentation. Une présentation majeure. Et ensuite, nous aurons une deuxième présentation qui sera une étude de cas. Donc, je commence par introduire notre premier orateur. Et il va parler sur qu'est-ce que ça veut dire être leader et quels sont les types de leadership qui existent. Et ça sera présenté par le docteur John Amoisi, qui est chef de département de santé globale à l'Université de sciences et technologies de Ghana, directeur du groupe mondial lié aux maladies infectieuses et également à l'Institut de médecine tropicale en Allemagne. Il est également directeur exécutif du réseau africain de recherche. Si je devais lire donner tous les chapeaux de docteur à moi, si ça pourrait nous prendre tout le reste de cet atelier. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et donner la parole au docteur John Amoisi et j'encourage chacun d'entre vous à vous joindre à nous pour l'accueillir. Docteur John Amoisi, vous avez la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, Palmer, pour cette introduction merveilleuse. J'ai été vraiment et pendant que je vais continuer avec la présentation, vous allez apprécier pourquoi mon choix et vous verrez que ça va en droite ligne sur avec mon enseignement sur comment communiquer en tant que leader. Je voudrais vraiment apprécier toute l'équipe qui a pu mettre ceci en place. Je suis particulièrement contente de voir le nombre de personnes connectées. Je ne m'attendais pas à ce nombre-ci. Et ceci traduit la faim, la soif de la connaissance. Et je crois qu'il y a ce sont des opportunités pour apprendre et les personnes sont prêtes à saisir ces opportunités, ce qui veut dire que nous avons encore besoin davantage de ce type de programme. Parce que ça permet aux personnes dans le globe, dans le monde entier, de pouvoir améliorer leurs revenus. Et comme vous pouvez voir sur cette image, il y a le grand Kofi Annan. J'ai eu à le rencontrer avant qu'il ne décède à Genève et j'ai saisi l'opportunité pour discuter avec lui. Il est allé directement sur le sujet avec moi et il m'a demandé si je suis intéressée dans le domaine de la recherche. J'ai dit bien sûr. C'est une autre plus sérieuse. Ceci m'a aidé à véritablement entrer encore en profondeur dans la recherche. Ceci, c'est juste pour montrer comment c'est possible de directement aller dans le vif du sujet avec quelqu'un avec qui nous rencontrons pour la première fois et c'est comme ça qu'il était.
Alors, ce jour, je vais parler sur qu'est-ce que ça veut dire être un leader et quels sont les types de leadership qui existent. Bien sûr, on ne peut pas en parler dans la totalité en 20 minutes. C'est quelque chose qu'on apprend dans le processus. Mais ici, je suis venue seulement avec quelques points, certaines simulations qui peuvent vous aider et commencer quelque part. Je vais également vous encourager dans vos mouvements à venir en tant que leader émergent. Alors, il est très important de reconnaître que le leadership est essentiellement quelque chose de pratique, une compétence, quelque chose que vous mettez en pratique et qui implique beaucoup de choses. Quand on parle de leadership, ça implique le concept d'influence, de guide. Et ceci est à plusieurs niveaux, au niveau individuel, au niveau de l'équipe ou alors des groupes, des organisations. Il y a beaucoup de niveaux. Et le besoin de leadership est vraiment exprimé aujourd'hui parce qu'il y a tellement beaucoup de défis, pour ne pas parler du changement climatique, la guerre en Ukraine. Et tous ces aspects-là montrent un besoin critique de leadership, particulièrement dans le domaine de la recherche, ou alors où nous apprenons beaucoup, ou alors pour reconnaître combien nous ne savons pas. Et voilà le besoin qui se pose pour le leadership. Et aussi, avec cette pandémie, nous avons pu voir comment nous avons encore des lacunes dans la connaissance. On croyait qu'on pouvait partir à la Lune et ainsi de suite. Mais j'aimerais que nous comprenions qu'avec la dynamique du COVID dans le monde, pourquoi alors, c'est vraiment une très grande révélation sur combien nous ne connaissons pas et le besoin qui se pose en termes de leadership. La vérité est que nous avons également des pistes qui vont nous montrer sur ce que ça veut dire être véritablement un leader. Il ne s'agit pas de porter une grosse veste, avoir une grosse voiture, s'asseoir devant des gens. Ou alors quand tu portes ton sac quand tu arrives au travail. Non, ça va bien au-delà de cela. Et le leadership doit être enseigné et doit être appris et assimilé. Un point important que je veux relever avant de continuer, c'est que cette notion de ce qu'il y a un enfant en chacun d'entre nous, c'est juste pour vous montrer trois caractéristiques différentes d'un enfant dans ce contexte. Et nous devons donc pouvoir le reconnaître et le gérer en tant que des personnes qui veulent diriger des gens. Le premier point, c'est que les enfants n'attendent pas à être pris très au sérieux ou alors être regardés comme des personnes qui ne sont pas vulnérables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que leader, tu auras des personnes comme ceci, ainsi que toi-même. Les personnes, de façon naturelle, ne veulent pas être conduites, mais ils veulent avoir eux-mêmes leurs propres responsabilités. Ils veulent gérer les choses d'eux-mêmes. Et en les reconnaissant, c'est vraiment quelque chose de très critique. Les enfants également n'attendent pas Ils n'attendent pas également être des personnes importantes. Il y a des personnes qui ont exactement des choses que vous avez. Alors, il faut être capable d'apprécier ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que pour véritablement mettre en pratique le leadership, il faut le discipulat. Alors que j'aille dans mon sujet de ce jour. Qui est un leader? Et j'aimerais relever certains points ici. Quelques points importants, c'est que le leader doit apprécier
le fait de gagner les personnes. Ce que tu veux, c'est un leader que les gens veulent suivre. C'est un leader que les gens sont contents de suivre. En Afrique, nous avons tellement de types de leaders qui ont des personnes qui les suivent, mais la question est, est-ce que ces personnes sont contentes de les suivre ou alors ils suivent juste parce qu'ils sont obligés de le faire? Et voilà le type de leadership que nous voulons avoir. Alors, pour pouvoir gagner les gens, il y a trois éléments clés qui doivent être pris en considération. Le premier, c'est le logos. C'est un mot grec pour parler du mot logique. Ça parle de quel message est-ce que tu communiques en tant que directeur de recherche. Quel est le genre de preuve que tu donnes aux personnes dans le message que tu essayes de transmettre? Et c'est une question qu'on demande tous nous poser. Peut-être que tu es responsable d'un laboratoire ou d'un laboratoire de médecine nucléaire, un laboratoire de microbiologie, etc. Tu pourrais diriger tout un groupe de recherche. Mais la question, c'est, est-ce que ton message est vraiment effectif en termes d'évidence? Et le deuxième point, c'est l'éthique. C'est le caractère. Combien crédible es-tu en tant que source, en tant que référence? Qu'est-ce que tu portes? As-tu le background nécessaire, la crédibilité nécessaire ou l'expertise de faire ce que tu fais? Bien sûr, c'est pourquoi j'ai mis tout ce lentique derrière mon nom, pour que je puisse vous expliquer pourquoi je fais ceci. Parce que parfois, on a tous ces titres qui poussent les gens à se dire, celui-ci maîtrise ce qu'il va offrir. Alors, il est très important que tu développes ta crédibilité en temps, dans ta formation, ainsi que le caractère que les personnes vont rencontrer. Et le troisième, c'est le pathos. C'est comment est-ce que tu te connectes avec les personnes que tu leads. C'est vraiment désolant d'avoir des personnes, des leaders déconnectés, parce que les gens veulent des gens à qui s'identifier, les gens qui prennent soin. Les gens qui pensent qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent. Et un autre point, c'est, en tant que leader, en tant que directeur de richesse, tu dois comprendre ce qui motive ton équipe. Ou alors, un peu plus spécifique, qu'est-ce qui fait en sorte que les individus dans ton équipe s'accrochent? Les gens sont motivés par plusieurs choses dans une équipe. C'est une combinaison. Combinaison de plusieurs choses que j'ai énumérées ici, environ 9, j'ai énuméré 9 ici. Et cela varie en fonction des personnes et du temps. Les gens sont motivés par la récompense, par les bonnes conditions de travail. Pourquoi est-ce que quelqu'un va prendre un emploi où il ne pourrait pas être bien payé? Alors, vous devez comprendre ce qui va attirer les gens. Et toi, en tant que leader, autant que cela dépend de toi, tu dois te rassurer que ces boxes-ci sont remplies. En tant que directeur de recherche, dans ma petite expérience, j'ai eu à gérer beaucoup de choses liées aux récompenses, aux salaires. Quand les gens pensent que le salaire n'est pas suffisant et qu'ils veulent avoir davantage, il est bien de prendre les gens à côté, les parler et les expliquer pourquoi à ce moment, s'il y a ce type de récompense. Alors, les gens vont demander pourquoi est-ce que mon salaire n'a pas changé. Et il faut qu'ils comprennent vos explications et comprendre que vous n'êtes pas différent. Et voilà ce qu'il faut faire vraiment en tant que leader. C'est très important de comprendre ce qui motive votre leader. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de temps pour passer du temps dans chacun de ces points, mais vous pouvez juste noter. Et la prochaine chose, c'est un leader doit
Connaître comment communiquer, quels sont les messages silencieux que vous communiquez en tant que leader? Hormis les paroles, je veux mettre l'accent sur les deux autres points qui sont le ton et les expressions faciales. Je ne peux jamais manquer de mettre l'emphase sur ces points-là. Alors, il est très important de voir comment le message est transmis aux personnes. Alors, si tu es leader d'un groupe ou d'une organisation ou d'un réseau, ta chaîne de commande doit apprécier ceci. Parce que tu ne vas pas communiquer à chaque membre de façon individuelle, mais il y a des informations que tu vas transmettre par d'autres leaders. Et comment est-ce qu'eux, ils passent ton message? Est-ce qu'ils l'ont fait la façon dont toi, tu as aimé? Et c'est vraiment très important parce qu'il y a eu plusieurs désastres à cause du message, la façon dont le message a été passé. Parce que ce point est vraiment critique. Le prochain point concernant le leader, j'ai dit qu'il y a plusieurs points, mais j'ai choisi certains points. En tant que directeur de recherche, comment fais-tu des autres des leaders? Il s'agit de former des personnes qui sont prêtes à continuer avec toi ou à s'engager dans un autre travail. Vous voyez qu'il y a souvent des relations très intéressantes, très importantes parmi des étudiants, des personnes qui étaient d'abord étudiants et après sont devenus également des mentors, dont des relations. Nous voyons aussi des relations entre les mentors et les mentés qui se dégradent au fil du temps. Non, ça c'est juste la réalité, mais la question est, tu dois former les gens afin qu'ils soient capables de prendre le relais ou alors prendre ton travail. Tu dois apprendre comment déléguer les rôles et les responsabilités. Tu ne peux pas gérer ton équipe en tant que dirigeant et tu continues de faire les choses exactement telles que tu commençais à le faire au départ. Alors, comment est-ce que tu délègues les responsabilités? Ça pourrait être toute une autre session. Je n'y suis pas encore arrivée, mais j'ai vu d'autres leaders, comment ils ont délégué de façon très efficace. Et parfois, dans tout ce que je fais, je les appelle et je les demande, que pensez-vous à propos de celui-ci ou celui-là? Et je prends des informations. Et ça m'aide parfois à avoir des informations claires. Bien qu'ils ne sont pas actifs sur le terrain, leur conseil vraiment, mais vraiment bénéfique. Il y en a aussi d'autres qui ont besoin d'être poussés, encouragés, parce qu'ils ne veulent pas prendre le relais. J'ai l'exemple d'un leader qui avait besoin d'être poussé par un autre leader. Il lui disait tout le temps que tu dois y aller. Donc, quand on parle de leadership, il faut transférer le matériel que vous avez reçu des autres, il faut aussi le transférer aux autres. Il faut permettre que la mutation ait lieu, parce que dans ce cas, ce sera vraiment très important. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. Je peux voir vos visages. Donc, si vous levez le doigt, je saurai. Donc, j'ai dit déjà ce qu'il faut pour être un leader. Aussi, il faut la préparation. Le leadership a besoin d'être préparé. Tu as besoin d'être préparé pour être leader. Il y a des opportunités de leadership. Je n'ai pas pu les saisir parce que je pensais que je n'étais pas encore préparée pour cela.
Je me rappelle quand j'étais encore à la troisième année de l'année des études de médecine. Et l'un de mes mentors, me demandait de laisser d'abord et aller faire un PhD. Et je lui ai dit non, ce n'est pas vraiment une très bonne idée. Et quand je regarde encore en arrière, je me dis que ça aurait vraiment été un choix très désastreux parce que je ne m'étais vraiment pas encore préparée pour faire un doctorat à ce moment-là. Donc, peut-être des personnes qui sont en train de nous suivre peuvent être inspirées par mon expérience. Tu as besoin de préparation. Tu as également besoin d'être mentoré. Je ne peux pas me manquer de toujours mettre l'emphase là-dessus. Pour tous les leaders de recherche, je peux voir vraiment les liens de mentorat qu'ils ont reçus. Vous avez besoin d'être formé afin d'être des grands leaders, directeurs de recherche. On a besoin de mentorat. Vous devez également comprendre que, en tant que vous devez comprendre que vous avez besoin d'élever les autres afin qu'eux également puissent en bénéficier. Troisièmement, ne soyez pas motivé par l'égocentrique. Dans plusieurs parties dans le monde, motivation et leadership, on ne trouve pas seulement dans la politique, mais également dans d'autres domaines. Il y a plusieurs leaders émergents qui ont cette motivation-là. Le besoin d'excellence, je vais toujours mettre l'emphase là-dessus. L'excellence est la clé. Donc, on va toujours mettre l'emphase sur le besoin d'excellence. Et comme je vais conclure, je vais essayer de mettre ceci en emphase pour que vous puissiez mieux comprendre. Je veux que vous mettez l'emphase sur mes trois diapositives. Donc, vous pouvez voir trois types de leaders, comme vous pouvez voir. Le leader démocrate, le leader affiliatif, le leader visionnaire, le leader autocratique. Et son type, donc des types de leaders vraiment très importants. Parce que je veux conclure et faire un résumé de ces différents types de leadership. Et on peut catégoriser ces six types de leadership en trois grandes catégories. Qui sont le leadership adaptatif, le leadership administratif, le leadership de capacité. Alors, ce que vous avez vraiment besoin, c'est le leadership de capacité. Dans le leadership adaptatif, ce que vous faites, c'est que vous laissez la place vous permettez qu'il y ait des désaccords, vous permettez qu'il y ait des alliances, vous permettez que des nouvelles idées soient développées et vous permettez qu'il y ait des moments où des personnes peuvent dire qu'ils ont des solutions face à cette divergence-ci que vous avez. Où ils peuvent donner des idées brillantes afin que vous ne soyez pas seulement le seul. Alors, c'est une leadership très critique. Le leadership administratif parle vraiment d'autorité et de position. Ça t'aide à voir de façon claire dans le futur et de gérer les conflits et autres. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est le leadership de capacité où vous avez cet équilibre
entre leadership adaptatif et administratif pour vous aider et encourager l'interaction où les bénéfices mutuels sont permis, où vous permettez que les actions de coordination puissent véritablement être mises en place. Donc, je recommande fortement que nous tous, nous allions vers ce type de leadership, leadership de capacité en tant que chercheur. Et je vais m'arrêter ici à cause du temps et je vais vous remercier vraiment de m'avoir permis d'être ici dans cette session. Donc, je crois qu'on aura d'autres occasions pour aller plus en profondeur. Merci beaucoup. J'aimerais que nous applaudissions. J'aurais aimé que nous applaudissions, mais malheureusement, nous devons nous adapter aux circonstances. Alors, merci, Dr. John. Moi aussi, j'espère que nous pourrons avoir un peu plus de temps. Je prenais des notes. Et vous avez parlé de comment est-ce que les leaders souvent leadership passent le message. Et on a parlé hier d'un des ministres de la Santé en Zambie. Et on parlait du président qui a refusé l'aide liée au SIDA. Et le ministre a dit, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et j'ai dit, pour plusieurs années de ma vie, il a dit non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que c'est qu'il n'y avait pas de leader sous lui pour transmettre effectivement le message qu'il voulait dire. Il voulait dire que oui, on a besoin des antirétroviraux, mais on a aussi besoin des besoins nutritifs pour accompagner ces hommes-là, ces personnes-là, afin qu'ils puissent avoir des protéines. Donc, voilà. Juste pour dire que vous avez raison, c'est très important. Comment est-ce que les personnes sous vous puissent protéger votre site de leadership. J'ai également pris des notes sur comment est-ce que tu veux être souvenu. Nous sommes près de 600 déjà. Je sais qu'on peut citer des noms. On parle de ceux qu'on peut se souvenir. Mais c'était aucun nom. Donc, merci beaucoup, Dr. John Amoisi. Avec ces deux points, j'ai essayé de donner un résumé de la présentation que vous avez faite. Donc, s'il vous plaît, on vous enverra les appositifs. Donc, merci beaucoup, Dr. John Amoisi. J'espère que nous serons capables. Vous pourrez être là avec nous s'il y a des questions. Donc, je pense que nous sommes supposés prendre quelques questions que je vois ici, il y en a. Donc, docteur, comment gérer une équipe avec des motivations, des égos et des points de vue différents? C'est une question de triangle. Docteur John Amoisi. Donc, je pense que c'est une très grande question. Et c'est quelque chose que tout leader doit être capable de gérer. C'est une question que je pose souvent également aux personnes qui m'ont leadé dans différents aspects de ma vie. Et ce que j'ai compris de l'expérience et de mes lectures, c'est de premièrement être capable d'identifier la force que chacun de ces individus apporte à l'équipe. Avec cela, pouvoir également accepter leurs manquements. Il y aura forcément différentes motivations et différents types de personnes. Le fait que quelqu'un est premièrement motivé par le salaire, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes égoïstes. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne vont pas travailler avec excellence. Et le fait que quelqu'un est motivé par son empathie en tant que leader, ça ne veut pas forcément dire que ce sera la personne la plus loyale avec qui tu vas travailler.
dont nous devons pouvoir gérer les tempéraments et les motivations des personnes en fonction des résultats que nous attendons. Alors pour moi, si tu te focalises sur la nature, quelle est la position que tu occupes, ce sera quoi le résultat? Il y a des personnes, tu sais que tu peux corriger lors d'une réunion, et d'autres personnes, tu sais que tu dois le faire en privé. Il y a des personnes, tu sais que tu as besoin d'appeler au téléphone pour prendre des nouvelles, et pour d'autres, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Sinon, il va percevoir comme si ce sera un patron. Donc, il faut juste comprendre, connaître les personnes avec qui vous travaillez. Mais en tant que leader, vous devez être capable de projeter un certain type de culture. Quand les gens comprennent une culture dans un groupe, mettant de côté les tempéraments et les motivations individuelles, ça va permettre de... Ils pourront graviter dans cette culture-là que vous avez pu mettre sur pied. Et les recommandations pratiques que vous avez données concernant les membres du groupe. Voilà pourquoi nous avons parlé du logos. Donc, de façon basique, voilà comment gérer les tempéraments des individus. Mais c'est un défi qu'on doit toujours, auquel nous devons toujours faire face, surtout en tant que directeur de groupe. Dans mon groupe particulièrement, parfois je ne connais pas les personnes. Et forcément, à un certain niveau, on va faire face à ce genre de défis. Alors, Dr. John Amboise, il y a tellement de questions. On ne pourrait ne pas prendre toutes les questions à cause du temps. Et je regarde vraiment à mon temps. Mais quelqu'un vient de dire que c'est vraiment difficile d'avoir un leader dynamique qui pourrait être capable de naviguer dans ces différentes options facilement. Donc, ce n'est pas une question. Non, merci. La prochaine question que je prends, à laquelle je devais répondre, c'est, vous avez mentionné quelque chose. Est-ce possible? Comment gérer ce brisement de cœur, ce cœur brisé lorsque cela se produit? Donc, je vais dire que lorsque le projet est terminé, vous devez être capable de laisser la personne partir. Je pense que Hélène a également une question similaire sur comment gérer les rumeurs, les mauvaises communications et autres. C'est vraiment un très grand défi parce qu'il y a ce dynamisme du début du projet et de fin du projet. Récemment, j'ai eu une situation vraiment très difficile où on avait un essai clinique très important. Qui était sponsorisé pas seulement par moi-même, mais vraiment dans l'Afrique entière. Parce que le sujet vraiment était très important. On avait recruté des personnes, dépensé de l'argent. Et je me disais, quand ça a été annulé, comment est-ce qu'on va gérer cela? Donc, j'étais un nouveau regard sur comment réorganiser les personnes. Il y avait des paiements qui avaient été promis. J'ai dû appeler pour m'excuser. Et là, expliquer que vous allez seulement rester avec votre salaire. Mais ce sont des situations vraiment difficiles. C'est pour ça que je dis, c'est bien d'expliquer aux personnes pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment quelque chose de critique. Ou alors, n'envoyez pas seulement une note ou un email. Avoir des réunions de groupe n'est pas assez. C'est important d'avoir des rencontres face à face et expliquer
pourquoi. Ça ne change pas le message, mais ton ton et ton expression faciale vont affecter la façon dont ce sera reçu et perçu. Et ce, ça fera vraiment une grande différence dans l'équipe. Voilà ce que je peux dire de façon essentielle. Merci beaucoup, Dr. John Amoisi. Et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas vraiment prendre toutes les questions. Il y a plusieurs questions. Quand on regarde à la présentation, bon, on peut avoir beaucoup de discussions à session, mais la dernière question que je vais prendre vient de Jacqueline. Quelle est la différence entre des efforts qui ont produit, qui ont eu un résultat positif et des efforts qui n'ont pas produit un résultat positif? Le numéro un, c'est l'identification première des leaders émergents et le mentorat. Donc, tu identifies quelqu'un qui est prêt à suivre et tu le mentors, tu mentors cet individu dès le départ. J'ai eu la grâce d'être mentorée par plusieurs personnes dans le monde et même en Afrique. Et c'est vraiment difficile pour moi de ne pas mentionner les noms. Je viens du Ghana et j'ai eu tellement de mentors en Afrique de l'Est, au Kenya, beaucoup de mentors de Tanzanie, je peux mentionner parce que qui est décédé aujourd'hui, un grand mentor pour moi. J'ai eu des mentors d'Afrique du Sud, des mentors de la Grande-Bretagne, des mentors des États-Unis. Ce sont des personnes qui ont pu identifier quelque chose et m'ont pris la main sur le chemin. Et j'ai décidé de les suivre. Voilà la seule façon pour vous. Quelque chose de dangereux auquel nous devons faire face, c'est de saisir, de s'accaparer d'une personne. Ça veut dire quoi? Prendre la personne et ne pas laisser la personne partir. Heureusement, je ne le fais pas, mais je voulais quand même faire ressortir ce point. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas prêt à suivre, ne l'attrape pas, laisse-le du temps.